Corrigeons à présent l'exercice 28. On considère la fonction affine f qui a x associé moins 5x plus 4. Alors, donc, du coup, ça s'écrit f de x égale moins 5x plus 4. C'est bien une fonction affine. A vaut moins 5 et B vaut 4. Calculez les images de 0, 1 et 2 par la fonction f pour représenter ensuite la fonction f dans un repère. Donc je vais calculer f de 0. F de 0, ça donne moins 5 fois 0 plus 4. Moins 5 fois 0, ça fait 0. 0 plus 4, ça fait 4. D'accord? Donc ça veut dire que le point que je recherche, il va passer par les coordonnées 0 et 4. Je vais aller placer sur mon repère ces coordonnées-là. Alors je vais graduer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ok, je fais la même chose verticalement. Donc le point a pour coordonnée 0, 4. Ça veut dire que le point que je recherche, il se situe ici. 0, 4. Ensuite, il faut calculer une deuxième image. Deuxième image, f de 1, ça donne moins 5 fois 1 plus 4. Priorité opératoire, la multiplication. Moins 5 fois 1, moins 5. Et moins 5 plus 4, je dois 5 euros, j'en ai 4 dans la poche, j'en dois toujours 1. Les nouvelles coordonnées à placer sont 1, moins 1. D'accord ? On met toujours l'antécédent en premier, l'image en deuxième. Donc ça veut dire que verticalement, je vais partir dans les négatifs. Donc le point pour coordonnées 1, moins 1, il se situe ici. Ok. Dernière image à calculer. Alors, f de 2. Donc ça donne moins 5 fois 2 plus 4. Priorité opératoire à la multiplication, moins 5 fois 2, moins 10. Moins 10 plus 4, moins 6. Donc il faut placer le point de coordonnées 2, moins 6. Ce point se situe 2, moins 6, ici. Donc si je veux tracer maintenant la fonction affine moins 5x plus 4, je vais prendre ma règle et relier tous ces points ensemble. Alors, il faut essayer d'être précis. Je n'ai pas été assez. Hop là. J'ai tracé, alors vous pouvez prolonger, hein. Je viens de tracer la droite DF.